On fait un petit coucou à vos copains sur YouTube, parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je change le planning du stream, puisque normalement nous étions partis sur du Subnautica Below Zero, mais j'ai fait quelques modifs. Et je veux voir si ça tient la route et si mon PC tient le choc aussi. Donc voilà. Comme vous vous en doutez, on part sur Spider-Man, bien sûr. Expérience que j'ai commencé dimanche, que j'ai adoré. Vraiment, j'adore. J'aime bien le style. C'est dynamique. Vraiment, c'est vraiment un très bon jeu. Pour moi, c'est vraiment dans le domaine de l'excellence. Et j'ai hâte de poursuivre notre aventure. Je bascule. Merci, Man Pepper. Et youpla. Alors, attention. Alors, charger la partie. Attends. Pourquoi il y a deux? Bah ouais, j'ai pas besoin de deux. Hein. Ah, c'est la sauvegarde automatique. Je suis débile. Bon, on va voir de toute façon. Bon, je vais regarder. C'est Subnautica. Mon costume avant qu'il tombe vraiment en lambeaux. Alors, est-ce que pour vous, c'est OK? Est-ce que ce n'est plus en 30 FPS? Alors, c'était pas forcément dégueulasse, mais ça devrait être plus propre, je pense. On nous a signalé un cambriolage en cours. Besoin d'unité vers Museum Mile. On est fractionne. Ouais, moi je veux bien, mais je sais pas où c'est. Ok. Bah. Ah oui, c'est là-haut. C'est la foire du crime. C'est bon, fini de jouer. Merde, je me suis gouré de touche. Et voilà, parfait. Vous irez tous en prison. Et je doute que vous soyez meilleur en évasion. Le jeu dit que tu es incroyable. Donald Renew est très bon en Spider-Man. Un peu abîmé le costume. Un tout petit peu. Hein. Impec chez moi. Petit meurtre de la part de Spider-Man. Spider-Man, soldat de l'enclave. Et vous avez vu? Beaucoup plus fluide. Je suis très satisfait. Ça fait moins 30 FPS. Mission accomplie! À la terre. Oups là. Non, j'ai pas le temps. Le signalement provient de Lenox Hill. Ah oui, c'est beaucoup plus fluide. Très satisfaisant. Je suis très content de moi. Tu as changé quoi? Je suis allé trouver quelques éléments sur mon paramétrage. Et j'ai surtout travaillé sur la sortie vidéo. Donc du coup, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus propre. Ça fait moins dégueulasse. Donc c'est un peu dommage pour vos copains sur YouTube hein, qui vont devoir se farcir des vidéos, la première vidéo à 30 FPS. Mais bon, écoutez, hein, il vaut mieux une seule qu'une trentaine. Me connaissant, hein.
Et merde. Oups là. Tellement fluide que je suis malade, et c'est même pas une blague, je comprends encore mieux que je peux pas y jouer au jeu. Non mais si t'y as ce fil, hein, si ça te rend malade, je sais que ça, c'est pas un jeu pour toi, hein, je le sais. C'est aussi fluide que quand je jouais à Spider-Man de la PS2. Je sais pas comment je dois le prendre ça. C'est grisant, une telle liberté de mouvement, clairement. Et c'est satisfaisant, non? Vous trouvez pas? Par rapport au premier live sur Spider-Man. Je trouve que c'est beaucoup plus propre. Par contre, je vérifie juste un truc. Oh putain, elle chauffe pas en plus. Putain, j'ai vraiment réussi mon coup, je suis vraiment très satisfait. Sur ce coup-là, je suis très très satisfait. Je l'ai fini il y a un moment ce jeu. Par contre, personne n'a compris pourquoi ils ont changé le design de Peter Parker pour le remaster PS5 PC. Perso, je préférais l'ancien. Bon, bah là, c'est plutôt un débat que je vais vous laisser entre vous. Hein. Moi, je prends tel que c'est. Hein. Bah, je ne le prends pas mal, juste ça me rappelle le jeu. D'accord. Y. D'accord, ça marche, Sitias. Le doc est sorti pour la soirée. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Mes activités d'araignée? D'accord, d'accord. Ah, oui, oui. J'ai des résolutions de puzzle ou des trucs comme ça, je crois, à faire. Ça me donne envie de sauter en parachute. Non, peut-être pas à ce point-là, tu vois. Non, je suis plutôt quelqu'un de rationnel sur ce coup-là. Pouette, 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 pouette. Ah, cartographie spatiale. Intéressant. Donc, il est en train d'intégrer un système basique de cartographie spatiale. Oui, d'accord. Donc, il faut que je monte comme ça. Oui, oui, ok. Ok, ok, ok. Ça marche. Attends, comment on fait? Oui, comme ça. Ah oui, mais j'ai plus de ligne droite, moi. C'est comment que tu fais si t'as plus de ligne droite? Ah, attends. Oui, oui, j'ai une idée. Non, comment on fait? Retirer, c'est ça? Ouais. Et voilà. Piéger des moustiques? C'est moche. Plus un, le design next-gen est vraiment pas terrible par rapport à l'ancien. Salut Jojo, comment vas-tu? Te faudra penser à réparer ta tenue, il a des trous partout maintenant. Et ça te déplaît de me voir avec des trous partout? Alors oublie ce que je viens de dire. Et répare ta combi. Une seconde! Les bras pourront se situer dans l'espace comme ça. Ça devrait contrer. Il faut régler le gyro des bras sur orientation auto. D'accord. Une seconde. Ah. Un arnac. Attends. Bah oui, mais j'ai qu'un sens. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Admettons. Ok, on retient. Ok, admettons, admettons. Je trouve ça vaguement tordu, mais ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On est d'accord. D'accord. On est à moins 1. Pourquoi ça passe pas? Il faudra penser à réparer ta... Oui, non, ça... Fatigué, mais ça va, et toi? Bon, écoute, tranquille ou pilou, j'ai envie de te dire, hein, comme d'habitude. Oui, mais le plus, il est pas dans le bon sens.
Il sera pas dans le bon sens le plus. Parce que si je balance le flux, le flux. On peut pivoter, j'avais pas fait attention. On peut les pivoter, les pièces. Oh, 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 oh. On peut pivoter, pivoter les pièces. D'accord. Mais j'en savais rien, moi. Voilà. Ouais. Ça ne m'arrange pas forcément, mais ok, admettons. Ouais. Du coup, je peux te ramener par là, je vais subodorer. Voilà, on va truander un peu. Ah, on est à 5. Oui, non mais le moins 1, il arrive, une seconde. Je fais ce que je peux. Hein. J'avais pas vu qu'on pouvait les pivoter. Voilà, et on est top. J'aurais commencé par le bas à gauche, moi. Bah ouais, bah regarde, c'est passé, ça passe, ça passe, ça passe. Au fait, pour mes prestations de bénévole, ce week-end, on m'a donné des t-shirts tout rouges, une très chouette couleur, donc. Je ne suis pas surpris. Salut, Shinx, comment vas-tu? La période des festivals commence à battre son plein. Ah bah, tout, avec voilà. Les beaux jours, c'est pas déconnant. Avec hein. Ça, ça devrait aider le porteur de la prothèse à maintenir son équilibre. Le doc tente de réduire la consommation énergétique globale de la prothèse. D'accord. Ok, ça marche. Commençons avec les moins 1. Voulez-vous? Ah! Oui, tu ne me donnes pas des masses le choix, en fait. Wait, wait, wait. Ok. Pouette, pouette. Ouais, je suis désolé. Hein. On va foutre du moins 1, on va voir un petit peu après. Je vais aviser. Ah non. Non, on va mettre plutôt du plus 2 pour le moment. ouais. Je suis pas bon. Ouais, pas du tout même. Oui. Oui, automatiquement. Ah bah attends. J'ai une idée. Switch bête. Et voilà. Parfait. J'aide que sur des assos sociales ou écolo. Faudrait que je tente en festoche. Ça doit être une autre ambiance. Ah bah c'est sûr que ça doit être autre chose. Non, je vous prie de croire que je suis désolé. D'ailleurs, vous saviez, vous, que Peter Parker, c'est Spider-Man. T'as bien aimé Spider-Man, on dirait. Ah, je me régale. Franchement, le jeu est excellent. Beaucoup plus efficace. Salut, Tsuna, comment vas-tu? Honnêtement, je le trouve très, très enthousiasmant. Alors, ça, c'est fait. Je crois que j'avais un autre truc à faire. Attendez, on va vérifier les différentes tables. Hein. Vous m'excusez. Il faut vraiment qu'on optimise l'organisation de notre espace de travail. La visite du comité a été une catastrophe. Mais elle pourrait être l'inspiration qu'il me fallait. Nous ne devons pas nous contenter de respecter leurs attentes. Nous devons les dépasser. Bah, c'est tout. Nous devons les dépasser. Ça s'arrête là. Bah, dis donc, c'était court comme bande audio. C'était vraiment très très court. Ah, il y a peut-être encore des trucs à faire ici. Non,
D'accord, c'était juste une quête annexe, enfin une petite mission. Dans les puzzles, plus ils vont être difficiles. Ouais, c'est pas dérangeant. Ça peut me donner des améliorations, c'est pas grave, je vais me prendre la quiche, t'inquiète pas. Non, j'ai mon argent, pas de démonétisation. J'en ai passé des soirées dans ce labo. Une chance que le doc pense au ravitaillement. Je pense que c'est j'aimerais bien qu'il achète plus de petits cubes de fromage. Oui, oui. Tu fais ce que tu veux, hein, y a pas de problème. Voyons voir. Oh, c'est pas ça? Ah, ben voilà! Ah, j'ai rien de dispo! Oh bah merdasse, cette station vous permet de travailler sur les projets Spectrum. Oui, non, mais je sais. Oui. De nouveaux projets, oui. Ah oui, c'est verrouillé. Bon bah là, j'ai plus rien à faire, donc on va aller buller ailleurs. Ici, pas de bande audio, rien. Bon bah écoutez, je pense que c'est ok. Allez, je pars donner une leçon de conduite. Vraiment? Tu vas donner une leçon de conduite? Mais ça, c'est cool. Que je l'ai racheté sur PC. Alors, je l'avais déjà sur PS4. Et c'est un truc que je ne fais jamais d'habitude. Le simple fait de pouvoir swinger entre les buildings, c'est un jeu à part entière. Ah, c'est un... Mais franchement... Bon, déjà, en premier lieu, je suis content de mes tests. Puisqu'ils sont probants. Hein. Je vois que c'est fluide. Mais alors, comme il faut. Donc, c'est cool. Mais j'ai de la paperasse à faire et deux réunions à préparer. Les joies d'avoir eu une promotion. Youpi! En tout cas, c'est cool. Félicitations pour ta promo et des gros bisous. Bon courage pour la journée. Et la combi? Bah, quoi, la combi? Bah, vous la voyez où, vous? C'est ça, la combi? Non, ça, je l'ai déjà fait, non? La visite du comité a été une catastrophe. Non, ouais. Elle pourrait être l'inspiration qu'il me fallait. Nous ne devons pas nous contenter de respecter leurs attentes. Je suis moniteur. Ah. Nous devons les dépasser. La combi? Où tu as vu ça, toi, Airlock? Où tu as vu ça? Attends, je viens de faire tout le labo. Je serais bien passé devant, quand même. Là, je vois rien. Est-ce que j'ai raté un truc? Ça, c'est le bras robotique. Enfin, je ne peux rien faire, en fait, techniquement. Là, on a la radio, on est d'accord. Là-bas, c'est le truc... bah, ça, je peux pas faire plus, de toute façon. Ici, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Non, non, je peux rien faire de plus, hein, Airlock. Hein. Non, 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 non. Non, non, il faut que j'avance. Non, il va la réparer de lui-même, je pense, la combi. Hein. Il n'y a pas de réparation à faire de nous-mêmes. Ah, attendez. Qu'est-ce donc? Ma remise de diplôme. Ça me paraît tellement loin. J'étais en stage avec le doc. C'est lui qui m'a appris que je pouvais apporter autant au monde dans une blouse blanche qu'en collant. Voire plus. Bah, je suis plus Team Batman, mais il faut bien avouer que le jeu Spider-Man est plus fluide que la série des jeux Arkham. Bah, j'aimerais bien les faire, les jeux Arkham aussi. Oh, attendez. Il y a des trucs à regarder. Le doc a fait de grandes découvertes pendant toute sa carrière. Mais il s'est toujours fait éclipser. Souvent par Oscorp. Cette fois, ce sera différent. Ça doit être possible. Bah écoute, je viens de faire le tour du labo, hein, comme tu vois, ma puce, hein, mais moi je vois rien. Hein. Honnêtement, bah c'est pas grave, on va le savoir assez vite. Hein. Ah, regardez, réparer la tenue. Oh, voilà, il n'y a pas de mystère. Hein. Ah oui, la tenue, elle a pris tarif. Hein. Peter, Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Alors c'est donc ça. C'est toi. Je vois pas de quoi vous voulez... Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ouais. Oui. T'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Eh bien. Je te laisse travailler. Il
D'accord. Donc lui, il a compris que c'était, c'était pas Spider-Man, mais celui qui s'occupe de son, de son, de son truc. D'accord. Regarde tes mails. J'espère que c'est pas le doc qui me renvoie. Du neuf avec du vieux, d'accord. Peter, quand j'ai découvert que tu étais le costumier de Spider-Man, d'ailleurs, est-ce le bon terme ? Ça m'a rappelé ta valeur en tant qu'individu et en tant que partenaire. Tu as beau te tuer à la tâche, tu trouves toujours du temps pour aider les autres. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai remarqué que la tenue était un peu abîmée et j'ai pris la liberté de crayonner quelques arrangements. Tu trouveras ci-joint des idées que j'ai eues pour améliorer son costume et mieux le protéger. Il a fait tellement de choses pour notre ville. On forme un tandem extraordinaire et notre travail va changer le monde. Ton ami et partenaire, Otto. Oui, oui. Alors attends, Castaldi, hein, je peux augmenter blanche, ça. Hein. Hmm. Vous pouvez maintenant utiliser vos jetons pour créer la tenue améliorée. Appuyez sur A pour continuer. D'accord. Terminez des missions annexes et des activités pour gagner des jetons. D'accord. Maintenez A pour fabriquer la tenue améliorée. Nice. Créer une nouvelle tenue, équipe automatiquement le nouveau pouvoir de tenue, appuyez dessus. Concentration combien, bioman hybride générant de la concentration pendant un court instant. D'accord. Ça lui irait super bien. La tenue super du pont, indéniablement. Appuyez sur A pour continuer. Ouais. Les tenues peuvent être améliorées avec des modes tenues. Débloquer et équiper les modes tenues ici. D'accord. Terminer des missions et des activités annexes pour débloquer des tenues, des pouvoirs de tenue et des modes de tenue. D'accord. Utiliser des jetons pour créer des modes de tenue. Appuyez sur A pour continuer. Les modes de tenue augmentent votre attaque et votre défense. Appuyez sur A pour continuer. Vous pouvez équiper 3 modes de tenue à la fois pour accumuler les effets. Appuyez sur A pour continuer. Ça devrait le faire. D'accord. C'est cool. Et Franck, en tenue Super Dupont, ça lui irait super bien. Et pour cette FT ? Ah bah, ça dépend de vous, hein. Ah oui, elle est classouille sa tenue, hein. Sympa, hein. Oh, le poseur, quoi. Laisse tomber, hein. Pardon, je suis en retard. Coucou, Champi, tu vas bien ? Non, Franck, parfissier, n'installe pas de mode nude pour les tenues. Faut faire peur. C'est pour faire peur aux gens, hein, c'est normal. C'est le même, mais en mieux. Bah oui, 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 je merci. Bah oui. Rendez-vous dans l'onglet DLC du menu pour accéder aux campagnes de la ville qui ne dort jamais. D'accord. Hop là. Alors attendez, tenue, mode de tenue, j'en ai une ou pas ? Attaquer avec un gadget génère de la concentration, d'accord. Seconde peau, réduit les dégâts causés par les attaques de mêlée, ouais. Scanner longue portée, augmente la portée de votre scanner. Analyseur de combat, augmente l'XP reçu en battant des ennemis, ah, ça c'est pas dégueulasse. Cellule de puissance des esquives parfaites augmente temporairement la puissance de vos coups. Ah. Implant balistique réduit les dégâts infligés par balle et à pas de loup. En mode furtif, les ennemis vous détectent plus difficilement. J'avoue. Celle-ci. Ensuite, en deux, je vais mettre plutôt les balles. Oh, on peut pas ? Ah, ils me font des jetons de base pour le faire ça. Ah. Attaquer avec un génère de la concentration, on prend. C'est gratuit, hein. J'aime quand c'est gratuit. Hein. Ok. Ok, ok, ça me va. Jetons de monument. Tu les vois où les DLC, toi?
Repère de Fisk, ouais. Parce qu'il m'a dit tu bascules là-dessus, mais ok, tu les vois où les... Ah, elles sont là, les DLC. D'accord. Ah. La ville qui ne dort jamais, épisode 1, la casque. Quand Felicia Hardy, alias Black Cat, revient à New York, le passé de Spider-Man menace le présent de Peter Parker. La guerre des gangs, d'accord. Ah, mais je peux sélectionner ça, en fait. Si vous jouez les histoires dans le désordre, vous risquez de vous spoiler de plus une histoire non terminée. D'accord. Question pour ceux qui ont joué à Spider-Man. Est-ce que je peux faire l'histoire principale et ensuite basculer sur les DLC? Ou il vaut mieux qu'en cours de partie, je fasse les DLC. Coucou Joey, comment vas-tu? Oui? Ah, super, on peut faire la quête principale. Ok, 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 c'est cool. Oui, oui, bon, bah, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que c'est ça? Octavius Industries? Une seconde. Alors par contre, Castalie, je vais augmenter le son. Tu me diras si c'est mieux. Mais je crois que les voix sont déjà à fond de balle. Je crois, hein. Mais j'avais déjà déverrouillé tout ça. Je vais te dire ça. C'est dans réglages. L'audio. Et les dialogues sont déjà à fond de balle. Je peux augmenter le volume principal. Mais à ce moment-là, je vais baisser un peu la musique. Tu me diras si c'est mieux. Voilà. Je pense qu'en jouant comme ça, c'est mieux. Salut, Batasag, comment vas-tu? Spider-Man, je crois savoir comment les hommes de Fisk arrivent à maintenir ses activités, via ses chantiers. Ça a pas fermé quand on l'a arrêté? Non, c'était l'une de ses activités officielles. Avec différents investisseurs. Et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu. Je serai votre araignée fouineuse du quartier. C'est mieux au niveau du son des voix, hein, je pense. C'est mieux, oui. Bon, voilà. Bah, faut pas hésiter à me le dire, les enfants, hein, au contraire. Oui, bien là, merci. T'es un chou, je t'en prie, avec plaisir. Plus important, c'est que vous puissiez profiter, hein. Hello! Alors... Alors, il n'y a pas des méchants, hein. Bon. Mes fidèles auditeurs. Incroyable. Bon. Hey, Spider-Man, c'est des types qui ont braqué un magasin. Le conducteur devait être défoncé. C'est lui qui a causé ce carnage. Les responsables de l'accident sont pas loin. Il faut que je les trouve et que je les a... A plus tard. Oh, trop loin. Je vais les perdre. Il faut que je me dépêche. Vous avez oublié de faire un constat avant de partir. Ça fait longtemps. Et comment je fais? Terminus. D'accord, ok. Et ça se peut. Ah, j'ai réussi pour une fois, super. Bah, t'as pas à me dire merci, hein. Tu rigoles, avec grand plaisir. Vous pouvez faire coucou à mon fils. Et bah voilà, vu la taille du chou, on sait une belle quantité de chou. Oui, on peut se prendre aussi le chou, ça marche aussi. Hein. Wouhou! J'ai failli me prendre un tuyau. Ah, je suis content. Pour vous, c'est super fluide et ça l'est pour moi. La bécane tient le choc. Je suis satisfaction. J'ai un petit peu abusé. Yori, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Et voilà. Il y a pas mal de monde ici.
mais aucun ouvrier du bâtiment, a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Pour ouvrir les... les gadgets, sans déconner. Grâce au plan d'auto, vous pouvez désormais fabriquer la toile de choc. Appuyez sur A pour continuer. La toile de choc? Maintenez A pour fabriquer une toile de choc. Puissante explosion de toile qui emprisonne instantanément les ennemis. Putain, c'est cool ça. Débloquer de nouveaux gadgets avec des jetons et des pièces trouvées en mission. Ok. Vous pouvez utiliser des jetons pour améliorer chaque gadget. Gagner des jetons en terminant des missions annexes et des activités, blablabla. D'accord. Oui, mais ça me dit pas comment ça fonctionne ce truc-là. Lancer de toile, tir rapide, de ça je sais le faire. Mais ça, c'est pas précisé. Comment que ça marche? Combo basique, frappe de toile, ça c'est appuyer sur Y, mais ça je sais faire. Ça doit être dans les derniers, hein, peut-être. Combat aérien, non. Coup de grâce, lance-toile, non. Coup de grâce. C'est pas précisé, ce truc-là. Bizarre. Ça sera expliqué, je pense. Oh, ok. Wow. Ça plus un, je trouve marcher. En revanche que ça lui va très bien. Merci, ma belle. Maintenez RB pour ouvrir le menu de sélection des gadgets. Ah. Ok. D'accord. Parfait. Le doc serait fier. Éliminer les patrouilles ennemies pour attirer les... d'accord. Vu que vous êtes nouveau ici, je vais vous donner la règle numéro 1. Vous n'avez pas intérêt à être en retard pour une livraison. Jamais. Oups. C'était sa dernière livraison, si tu vois ce que je veux dire. On est bien payé parce qu'on fait le boulot. J'ai super mal au pied. C'est... Il va me le payer. Il y a quelqu'un ? Peut-être un chat, je sais pas. Les dodos! J'ai Spider-Man en visuel. C'est vraiment pas qu'on joue, hein! D'accord. Devant, t'inquiète! Entourez-le! Il a eu des vies! Voir mort! Tu viens de faire une. Chauffez Spider-Man, le pote. Tout le monde a fait essayer d'apprendre le respect. Comment il a fait ça? Allez! Il a eu des vies! Merde, on t'aura mort. Oh non, en voilà d'autres! Ouf. Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés de maison autour du chantier. Du trafic d'armes? Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. Come on!
Votre nouvelle tenue dispose d'un pouvoir de tenue. Les pouvoirs de tenue vous confèrent des aptitudes spéciales. Votre pouvoir de tenue actuel génère de la concentration en continu. Une fois celle-ci utilisée, votre pouvoir de tenue se régénère. Appuyez sur L et R pour activer votre pouvoir de tenue. D'accord. S'ils ont dû appeler leurs copains. Et merde. Toi, lâche ton arme. Super, il y en a d'autres. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Ah oui, solide le bonhomme. Hein. Ah merde, ils font chier. Tu vas la fermer définitivement. On en est où? Merde. Je vais le mettre en pièce. Qui va me mettre en pièce? Qui a envie de se rendre? Personne? Oh putain, il y a un lance-roquette. Oh l'enfoiré. Et merde. On va attendre. Salopard. Une seconde, il arrive. Hein. Je vais te péter la gueule. J'ai envie de péter des dents. Bah alors? J'ai l'impression qu'il m'en reste un là-haut, non? Ah lui, il est resté là-bas. T'es où? Et où il est où? Il est où? Une seconde. Salut Borgne! Comment vas-tu? Salut Fireblade! C'est pas forcément une bonne ref pour moi. Et voilà! J'adore les mecs qui attendaient qui attendaient tous dans le hangar, t'as vu? Ils sont polis quand même. L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Va pour Monsieur Propre. Ah, j'ai gagné 2 jetons de base. Fisk a d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. Putain, en tout cas, le jeu est vachement gourmand en quête annexe et tout. Hein. C'est chouette, je trouve. Ok. Admettons. Il est où le... Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver en appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Et je sais par lequel commencer. D'accord. Ah, mais ils apparaissent pas, en fait. Peut-être dans tenue. Peut-être dans gadget. Oh, un spider drone. Cool. Ok, compétences. Ouais, dans les compétences, il y avait quoi? Dernière chance. Ralentis le temps avant de recevoir un coup fatal. Ouais. Appuyez sur X et maintenez Y pour saisir un ennemi et le projeter dans la direction souhaitée. Ouais.
pour générer un bonus de concentration. Bon, non, ça m'intéresse moyennement. Saisir les armes légères. Ça peut être pas mal, ça. Ça me plaît. Ouais, peut-être les fusils d'assaut après. Prendre une photo de l'Empire State Building. Ouais. Pas trop envie, hein. Il y a beaucoup de choses à faire, oui. Et comme il y a plusieurs activités secondaires différentes, c'est pas trop répétitif. Un peu quand même au bout d'un moment, oui. Alors par contre, il faut que j'aille au labo pour améliorer ce qu'il vient de me dire, non? Ça, c'est mon appart. Où est le laboratoire, nom de Zeus? C'est Octavius Industries, je pense, hein. C'est ça, le truc. Si j'ai bien compris ses propos, il faut que je le fasse, mais sur à Octavius Industries. Alors vous me dites si j'ai juste ou faux, hein. Le jeu est généreux en quête annexe, mais c'est pas submergent non plus. L'équilibre est nickel. Ah, attendez. De jeu de base, la plupart des éléments annexes sont faisables en 35 heures environ. D'accord. Bon, bah, en tout cas, je te remercie. Peter, bonne nouvelle. Je crois que j'ai arrondi les angles avec le comité de subvention. Si l'essayage du première classe d'excident se passe bien demain, ça devrait aller. C'est fantastique, Doc. Les affaires reprennent. Provisoirement, tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage demain? Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas de cataclysme, c'est déjà formidable. À demain, Peter. C'est ce que j'ai compris, ouais. Marquer les annales, j'ai l'habitude, hein. Hop là, pardon. Hop là, oup. Où est la porte? En bas, hein. Non, oui, si, c'est ça. Si j'ai bien compris, c'est ça. Hein. Si j'ai pas de conneries. Hey there, silly little sailor. Merci Argentorn, merci pour le Prime, merci pour ton soutien. J'espère que tu vas bien. Let's go. Alors, Octavius Industries. Alors, attendez. On va faire le tour de la boutique. Pouette, 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 macadam, pouette, pouette. Alors déjà on a les circuits électroniques, ça normalement je pense avoir débloqué un niveau. Ah pas du tout, donc je vais aller me gratter. Je vais voir s'il n'y a pas de bande audio sur la table parce qu'il y en a toujours qui traînent. Ça marche Julien, des gros bisous, des gros bisous. Ça doit être ici je pense. Ah non c'est pas ici. Ah bah merde. Alors, question pour ceux qui ont fait le jeu. On est d'accord que c'est dans le laboratoire que je peux améliorer la portée du radar et tout le bazar, ou j'ai mal compris? Peut-être mal compris aussi le truc, hein. Parce que j'aimerais faire ces activités secondaires. Non, ça, c'est le bras robot. Tout se fait à partir du menu, sinon c'est mis dans le scénario. Ah, ça se fait à partir du menu. Ah oui, mais alors attends. Si ça se fait à partir du menu, ça doit être... Alors, c'est pas dans les tenues, si? Génère plus rapidement de la concentration. Ah oui, mais alors attends. Pour améliorer ton équipement, c'est dans le menu gadget ou tenue. La portée du radar, c'est pas en activant la tour de reco, par contre. La tour de reco. Bon, déjà, je vais augmenter ça. Et dans les gadgets, bah, à part ça, c'est tout ce que j'ai, tu vois. Bon bah c'est pas grave, écoutez, on va suivre l'histoire, hein. On peut pas dire mieux. Hein. Ils viennent de te donner une quête pour ça. Bah écoute. Je pense que ça doit être lié. Moi je pensais que c'était au laboratoire. Je suis presque certain que c'est ça. Ouais, c'est parce que je veux aller trop vite. Je pense que c'est surtout ça. Alors, let's go. Bonjour. Et hop. La réponse à la grande question de la vie. De l'univers. Je suis resté et de scotché. Tout le reste est 42. Merci, Man Pepper. Youpla.
J'adore quand il virevolte comme ça, c'est rigolo. Eh ben écoutez, je suis très content de moi. À toutes les unités, vente de drogue signalée, demande l'intervention d'un agent. De la drogue. Unité vers Flatiron, terminé. Probablement des hippies. Hop là, oh, au secours, c'est moi. Et bonjour. Oh, ah merde, je me suis rationné de touche. Je suis pas un grand fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les petites ruelles. Ah oui, il y a le gros. Une seconde, hein. Là, on fait vraiment pas de quoi. Je dirais pas comme ça. Ça commence à devenir. Allez, tirez. Non. Petit bâtard. Je suis coincé contre une poubelle, c'est qu'il y a un tout petit peu la loose. Et voilà. C'est toujours un plaisir de faire capoter une vente de drogue. Ah. Tu as certains trucs débloqués au fur et à mesure de la quête principale. C'est grosse frustration quand je faisais le jeu, vu que je faisais toutes les quêtes secondaires. D'accord. On vous voit. Ce sont des herbes aromatiques. De ce que j'ai compris, c'était pour leur grand-mère. Des nada. Ouf. Hihi. Au secours, maman! C'est bon. À toutes les unités, un cambriolage vient d'être signalé. Encore? Unités vers Flatiron, terminé. Hop là! Et c'est parti, mon kiki! Hop là! Un cambriolage. J'y suis, hein, j'arrive. Hein, l'embouteillage. Oh, ils sont là. Ouais. Oh, les... Mon petit doigt me dit que c'est à l'attaque! Ici. Mais. Fisk disparaît et soudainement c'est la foire du crime. Pas normal. Oh, je m'en fous. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Speeder urgence. Mais il reste pas. C'est nouveau ça. Ouh. Pour moi. Enfin hors de vue. Il a pas vu venir celle-là. Non. Salut. Bonne nouvelle. Vous vous reverrez tous en prison. C'est la première fois que je les vois fuir. C'est bizarre, non? Moi, je vais faire des petites gélules et des suppos pour Spider-Man. Plus facile. Tu as raison. Oh, le petit bug. Chers amis, nous avons en ligne quelqu'un qui a quelque chose de très intéressant à nous dire. Allez-y, monsieur. Oui, j'ai failli me faire renverser par des tarés qui roulaient à fond la caisse, poursuivis par des flics. Alors, heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais là où ça m'a vraiment choqué, c'est que j'ai vu Spider-Man pas loin, et il a même pas cherché à les arrêter. Bien sûr que non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a probablement trouvé que c'était trop fatigant. Spider-Man n'aime pas se fatiguer. Il cherche la facilité. Le reste ne l'intéresse pas. C'est typique de sa génération. Et vous savez qui est responsable? Internet. Enfin, à l'exception du site qui retransmet mon émission, qui lui offre un service public de qualité. Quel enculé. Let's go. Non, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Et voilà. Bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Ah bon? D'accord. Comme ça, avec le soleil. Oui. Sujet non marqué? Comment ça? Ah, il faut que je fasse comme ça? Ah. Ok.
Ça fera l'affaire. Ma carte a dû se recalibrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Je devrais continuer à chercher d'autres monuments à l'occasion. Putain, il y en a une tête à chier des monuments, au secours. J'espère, bah écoute, on va voir. Prenez des photos des monuments dans toute la ville pour gagner des jetons de monuments. Ouais. Merci Castali pour Champiche, merci beaucoup. Merci, t'es un amour. Merci beaucoup. Ah ouais. Oh putain, les mecs, ils ont pas abusé sur le truc. Ok, ça marche, je suis preneur, moi ça me dérange pas de me balader. Le jeu est tellement plaisant. Ok. Bah écoutez, ça c'est fait. Je vais visite touristique terminée, d'accord. Ah, c'est Monsieur Lee. Allô? Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on c'est avait un jeu encore patoune, besoin ça me dérange pour pas. Préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt alors. Oui, oui. Ok, j'ai un peu de temps libre. Nous voyons ce qui se passe en ville. Explorez la ville pour améliorer vos équipements et capacités. Ok. D'accord. Ouais, alors là, la photo va pas être géniale. On va faire comme ça. Bonjour. Vraiment désolé. Ben non, c'est le pape. Faites pas attention à moi. Attendez. Non. Dans le... Parfait. Spider-Man, lâche pas l'affaire. Hey. Oups, désolé. On monte. Ok, donc c'est celui-ci que je dois prendre en photo. Il me faudrait... Ah bah l'immeuble d'en face, c'est très bien. Et au secours, au secours, à moi, c'est bon. Salut Monsieur Lee. Salut Peter, tout est prêt pour la fête, on attend plus que toi. Cool, je me mets en route. Oui bah tu vas attendre, hein. Je suis pas pressé moi. Non. Voilà, ouais. Et on va cadrer à peu près comme ça devrait suffire. Ouf, un chef d'œuvre. J'aime trop les dialogues dans ce jeu. Outre l'ambiance générale qui est assez folle, le taf de doublage est incroyable. Notamment Donald Renew qui fait Spidey. Le fait que ce soit la voix d'Andrew Garfield dans les films de The Amazing Spider-Man rend bien. Il a le même côté ado insolent que j'adore dans les comics. Surprenant, Franck va nous faire un cours d'histoire sur les monuments de New York. Non, parce que c'est pas une ville que j'étudie en fait. On l'utilise effectivement avec les enfants au collège, mais c'est pour montrer l'urbanisation. Salut Michael, tu vas bien? La Trump Tower. Oui, et puis n'oublie pas, hein, quelqu'un qui n'a pas sa tour personnelle n'est pas un homme. Hein, c'est ce que nous avait dit l'ancien président des États-Unis. Wouhou! Regarde maman, je vole. C'est les Nations Unies. Ok. Non, celle-là. Ok. Ça va et toi, mon bon Franck? Bah écoute, ça roule. Comme tu peux le voir, je me balade dans New York. Ouais, c'est de l'autre côté. Je vois qu'il y a un angle pour prendre la photo qui est pas mal. Hop là. Youp là. Demande si le roi T'Challa a gagné ses pouvoirs en se faisant ambassade mort du Wakanda. Par une panthère à... D'accord. Même pour un balèze comme lui, ça doit faire mal. Hein. Mais youp là. Ouais. Alors, il va falloir aller plus par là, je pense.
Non, non, vous inquiétez pas, je ne fais que prendre une photo, hein, je fais vite. Non, non, je suis dans un costume. Pouette. Cool. J'avais oublié à quel point j'aimais la photo. Ouais, mais on les fait à l'arrache, hein, mon pote. On n'est pas là pour faire du très joli. Et pourquoi il gueule? Ah, un creep par là? Ah non, j'ai cru. Bon, moi je fais fumette. Oh, excusez-moi, pardon. Je vois que tu as changé pour la combi d'araignée au lieu de celle de plongée. Ouais, j'avais vraiment envie. Et puis surtout, je testais un truc sur OBS. Et je suis très content. Parce que c'est fluide, c'est propre, c'est cool. Qui a de quoi faire. Oui, ah bah là pour le coup, il y a de quoi faire. Et voilà. Non, on se détend du slip, ce n'est que moi. Voilà. Voilà, je fais passer. Bibliothèque de New York, bien sûr, ça c'est fait. Ah, regardez. Pourquoi ça apparaît maintenant? Repère de Fisk, base ennemie. Ça, apparemment, ça a été fait. Ah oui, ça apparaît. Ah bah, super. Bah, on va faire secteur par secteur. Mais là, ça m'arrange pas. Ah ouais, j'aurais dû faire par le sud. J'aurais dû attaquer par le sud. Voilà, ça va être chiant, là. J'aime pas. Vouloir me vanter. Et c'est parti. Ouhou. Et hop là. Ah, attendez. On va la négocier entre les immeubles. Attends, monte. Voilà. Et on va essayer de prendre une belle photo de là. Non. Réactive la caméra. C'est pour ça que John a me payé une fortune. Voilà, ça c'est fait. Suivant. Donc ça nous permet de faire des jetons de monuments. Putain, ça va être bien. Hein. Pour les améliorations, je suis pour. Bonjour, monsieur Muggins. Si c'est à propos du loyer... Monsieur Parker, cet appel est votre troisième et dernier avertissement. L'expulsion... Attendez, je suis payé en fin de semaine. Je me... L'expulsion débutera vendredi si vous ne procédez pas au paiement total avant la fin de la journée. Au revoir. Et bonne journée. Oui, Venom, d'accord. Plus à gauche, t'es dans l'ombre. Savoir qu'il a fait le jeu Spider-Man avec Andrew Garfield, il avait postulé pour faire Tobey Maguire, mais on lui a refusé. Il avait l'allure pour le faire alors. Que quelques mois plus tard, il le faisait en jeu vidéo, puis Andrew... Plus tu avances dans l'histoire, plus tu en auras. D'accord. Ouais, non, mais moi, ça me va. C'est pas dérangeant. Je trouve le jeu extrêmement plaisant, dans le déplacement surtout. Donc, ça va. Ça, franchement, on n'est pas sur une punition. Là, pour moi, c'est pas une punition, hein. Très loin de là. En plus, les déplacements, je les trouve vraiment fun. C'est fluide. C'est très propre. Ah, par là. Voilà. Stop. Parfait. Saute. Donc, on est ici. Ouais. Ouf ! Un chef-d'œuvre. Alors, l'autre élément est juste à quelques encablures. Ouais. À moins que tu m'autorises. Un sujet cadré. Magnifique. Voilà. On enchaîne. Par là. Ouhou. Ah, je sais que des fois je fais péter les plombs. Hein. Quand je joue un jeu, je prends toujours mon temps. C'est comme ça. Moi je speed pas sur les jeux. Au contraire, moi pour moi c'est faire aussi preuve de respect. Pour les développeurs. Et aussi pour la personne... Ouf. Sorry, il n'y a pas fait exprès. Oup là. Qui m'ont offert le jeu. Merci encore, Castali. Et c'est parti. Alors, ensuite. On aura fait tout le quartier, là. C'est très bien. Hop là. Allez, on s'arrache. Attends, si tu peux passer par là... D'accord, c'est un panneau. Est-ce que je peux arnaquer le jeu? Et passer là. Daily Bugle. Un excellent journal. Oui, un excellent journal, à n'en point douter, mon cher. Poursuivons. Surtout depuis que Jameson est parti. Ils peuvent pas se blairer, hein. Ça, moi, ça le mérite. Bon, en même temps, je peux pas lui en vouloir, hein. Le mec arrête pas de lui tailler les miches. Hop là.
Hop là. Attends. Par là. Hop là. Ouais, j'ai vu. Et on va s'arrêter sur ce toit. Ouf, trop loin. Non, c'est bon. Ah, je n'ai pas l'élément. Pourquoi je ne l'ai pas? Comme c'est bizarre. Ah, c'est le monument qui est là. Ok. Hop là. C'est pas grave, on va se rapprocher. Hein. Je suis pas un animal. Hein. Voilà. Elle est bonne. Alors, ça, c'est ok. On va faire le quartier qui est juste à côté. Ouais, cette partie-là. Mmh. Oh ouais, c'est juste à proximité. Par contre, je ne vois pas ce que tu vises. Ah, c'est là-bas. Dans le mur. Ok. Nous, on part là-bas. Voilà, prenons un peu de hauteur. Et c'est parti. Et voilà. Le Flat Iron vaut le coup d'œil. Ah bah de toute façon on va tous les faire notre hein, donc je suis parti pour ça hein. Putain, visuellement c'est une claque hein. Oh merde. Écoutez, je fais la photo, j'arrive. Belle composition, sans vouloir me vanter. Où est le véhicule? Par là. C'est bon, je l'ai vu. Ces imbéciles vont tuer quelqu'un s'ils continuent. Oh les enfoirés. Oh, petit bâtard. Toi, je te mettrai pas 5 étoiles. Et voilà. Il faut saluer le chauffeur. Les heures de pointe à Manhattan, c'est pas de la tarte. Calmez. Bien, on nous étions où là? Voilà, maintenant que je sais faire les véhicules, ça sera encore mieux. Ah, d'accord. C'est pour ça que Jonathan. Pourquoi je me fais insulter là? Une fortune. Attendez, je vous lis dans 2 secondes. Le problème c'est que vous êtes très prolixes les enfants. Ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, bien au contraire. Youpla. Ok, c'est le bâtiment qui est ici. Est-ce que vous croyez que je peux potentiellement... Ouais, je vais me jeter par là. Ok, non, non, mais ne criez pas, ne criez pas. Je ne fais que passer, alias investigateur. Investigateur, ok. Poursuivons. Bien, 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 bien. Par là, hop là. Pardon, d'habitude je suis plus haut. D'habitude je suis plus haut, ouais. Mais on parle de moi, hein. Là. Oui, oui, calmez-vous. Ouf, chez Josie. Et on repart. Hop là. C'est des trucs un peu emblématiques de New York, pourquoi pas. Hop là. Ici. Magnifique. Ok, ça c'est fait. Oh, une agression. Let's go. C'est bien parce que ça nous permet de régler quelques petits problèmes. Attendez. Bonjour. Et dodo. Oh le bâtard. J'ai oublié. Spider-Man.
Et on se calme. Ouh, le bâtard. Mais c'est moi qui l'ai cherché, hein, en même temps. A été normal. Bon, après, ils sont polis, ils attendent leur tour quand même. Hein. On n'a pas à faire des animaux. J'attends. Ah, attendez, comment on fait? Hé, maintenant tu fais quoi, mec? Non, ne te sauve pas. Hop là. C'était appuyé sur une... Les petites frappes se prennent pour le nouveau Wilson Fisk. Leur seul point commun, c'est la prison. C'est trouver les Blu-ray. Je crois que Spider-Man, la première trilogie avec Pop... Avec Pop Spidey à 10€ et pareil pour la version de Andrew Garfield avec dans les 5 films et les 2 Pop 20€, une bonne affaire quoi. On a le droit de crier en fait, tu lui as juste atterri dessus. Mais non, ça va, je lui ai atterri dessus, mais ils sont tous vivants. Ouais, enfin ils sont tous vivants, c'est, voilà c'est tout. Ouais c'est ça, ils sont tous vivants. Et là ils font dodo. Hein? Je devrais peut-être me méfier un peu plus de mes grands fans. Ah, c'est parce qu'en fait, ils m'attaquent. Oh. D'accord. Alors, par contre, où est le monument? Ah bah voilà, parfait. On va se positionner là, c'est très bien. Pas de quoi perdre une dent. Mode photo. La tour Fisk. À leur place, putain, je réfléchirais à un autre nom. Belle tour, hein. Moi aussi, je réfléchirais à un autre nom. Mais bon, pas moi qui choisis, hein. Faut que je fasse le jeu avec Miles. Tu me redonnes trop envie de jouer à ces jeux, mon bon Franck. Ah bah, je suis désolé, mais de toute façon, je le ferai aussi, hein. Je trouve le jeu très beau et très fluide, même si le rendu de la vitesse est pas fou et que tu peux tomber d'aussi haut que tu veux sans qu'il n'y ait aucun impact. Ni sur les surfaces, ni sur ton perso. Ouais. Oui, tous vivants. Celui qui est tombé de l'immeuble tout à l'heure. Le béton à New York, c'est une mousse. T'as, en fait, quand tu tombes, ça... Mais je peux te montrer qu'il est encore vivant. Hein. Laisse-moi essayer de satisfaire mon cerveau malade, avide de cohérence. Je suis en train de télécharger, Franck, le jeu à cause de toi. Voilà. Oh, mais ça va. Vous passez votre temps à m'engueuler. Et puis, de toute façon, là, c'est pas ma faute. C'est la faute de Castaldi. Donc, si vous devez engueuler quelqu'un, c'est Castaldi qu'il faut engueuler. Ha! Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh ben voilà. Bonjour! Guten Tag! Quête! Capitaine, je suis sur un chantier de Fisk. Leur équipement est couvert de poussière. C'est juste une façade? Je crois, ouais. Je vais aller voir ça de plus près. Merde, je me suis gouré. Faites gaffe! Faut pas les laisser nous battre, toi! Et ouf! Ça va fermer définitivement! Mettez-le au tapis! Il a eu des vies! Tenez le coup! On va y arriver! Oh l'enfoiré, il a eu le temps de m'en coller une! Ouf! Y'en a d'autres? Ah, je regrette, mais l'offre avec un donut gratuit vient d'expirer. Comment ça, homme à terre? Ah ouais, ça pique, hein. Non, c'est pas lui que je visais. Boum!
La période des soldes, c'est pas avant début janvier. C'est fini pour toi. Ouf, ouais. Spider-Man, ils ont réceptionné assez de ciment sur ce chantier pour construire deux gratte-ciel. Attendez, je vais deviner. Cache de la drogue dans les sacs de ciment? Je crois bien. On aura besoin d'un motif valable pour accéder au chantier et confirmer tout ça. M'en occupe. Voilà ce qui arrive quand on cherche le chantier. On ne peut pas le laisser nous battre. Oh, ça doit faire mal. Entourez-le. Allez, va chercher. C'est votre devoir mort. Oh merde. C'est bon. On va t'apprendre le respect. Quand il y en a plus, il y en a encore. Je sais pas. Merde, je me suis encore bourré de touche. C'est vraiment pas du tout. Mais c'est bien parce qu'ils se fracassent entre eux. Très gros avantage. Ah bah moi aussi, hein. Fort. Je vous préviens. Putain, mais il y a combien de vagues? Et c'est souvent dans la gueule. J'aurais dû rester où? Ouf, ouais. Ça devrait se calmer. Faites gaffe! Il est en train d'être. Ah putain, j'en ai pris une. Autant la mort ou vive. Fils qui a pas de préférence. Oh bah, ça, j'avais compris vaguement qu'il avait pas de préférence. Hein. Voilà, vous d'abord. Ah oui, celle-là, tu l'as mangée, ouais. Bah, j'ai pas fait exprès, hein. Fais-moi ça. Allez, va chercher. Suffit maintenant. On t'aura mort, Steve. Fils, y'a pas de préférence. Ah bah ça, je me doute qu'il a pas de ouf. Comment il a fait ça? C'est fini. Ouf, ah ouais, non, c'est pas juste. Au moment où je... Fais gaffe. Tiens, bouffe ça, là, celle-là. Voilà. Ah, hop, là. À toi. Entourez-le. Allez, bien. Le boss fait devoir mort. Et voilà. C'était compliqué, hein. Capitaine, les hommes de Fisk et tous les motifs valables dont vous aurez besoin vous attendent bien sagement. Ça marche, Romakin, bon visionnage. Fisk croit tout pouvoir gérer depuis sa cellule, mais il va se rendre compte que les relations à distance... Oh, il est sympa quand même, Sephiroth. Ok, super. Marvelous. Poursuivons, voulez-vous? Ah oui, il faut peut-être que je sorte de là, non? Ouais. Et hop là. Trop bien. En plein vol. Lincoln Center, chouette. Poursuivons. On y va. Ah oui, enlève la caméra. Et hop là. En vrai, en faisant ça, on gagne tellement de points d'expérience. Je suppose qu'on se facilite quand même la vie, hein, dans le jeu. J'ai toujours tendance à me la faciliter parce que je fais tout, donc... Wouhou. Oui. Là, c'est très bien entre les deux immeubles. Hein. Voilà. Parfait. Muséum d'histoire naturelle. Oh, ça doit être chouette. Comme je vous l'avais prédit, tel Nostradamus, l'arrestation de Wilson Fisk par Spider-Man, au mépris des conséquences, a provoqué un raz-de-marée de nouveaux gangsters,
plus psychopathes les uns que les autres. Mon prochain invité a la chance d'avoir survécu à un vol à main armée. Monsieur, nous sommes ravis que vous alliez bien. Merci. C'était ouf, ces types rentrent comme si c'était chez eux en brandissant leurs flingues. Qu'un honnête homme doive gagner sa vie la peur au ventre est inacceptable. Ouais, heureusement que Spider-Man est intervenu pour les neutraliser. Vous n'avez rien écouté ou quoi? C'est lui la cause du problème! Excusez-moi d'avoir élevé la voix. L'épreuve que vous avez traversée me met hors de moi. Jared, notre auditeur semble sous le choc. Raccrochez-lui au nez. Je vais bien. Au revoir! Le salopard. Le salopard! Yuri! Cet endroit est rempli d'hommes de main de fisc, avec des boss sous leurs vêtements. Enfin, je parle d'armes cachées, hein, bien sûr. Je peux pas intervenir juste pour des boss suspects. C'est qu'une intuition, hein. Et je m'attends à des troubles à l'ordre public assez rapidement. J'ai qu'à prendre le respect. Un coup de chance. Laissez-lui dragler. Comment on peut lutter contre ça? Écartez-vous de lui. Bâtard. Fisk va nous faire la peau si on les casse pas. Ouf. C'est fini. Écartez-vous. Respect de voir mort. Spider-Man, remettez-le un peu en place. Ah, je me suis fait toucher, d'accord. Ouf, le bâtard. Plaquez-le au sol. Alors ils sont où les autres? Ah ok. Définitivement. D'accord. Allez, va chercher. Le mec aime la souffrance, hein. Comment on peut lutter contre ça? Ah merde. Encore d'autres? Ok, mettez-vous en randonnion. J'oublierai personne, promis. Et moi aussi. Entourez-le. Je vais te faire sauter la cervelle. Ça devrait te calmer. J'aime bien parce qu'il jette sur la grenade, c'est trop cool. Je te mangerai, t'inquiète. C'est quoi ça? Le boss en a ras-le-bol. Ah, je suis désolé, je suis un peu concentré sur ce que je fais. Ah merde! Au moment où je dis ça, quand même, la loose. Mettez-le au tapis. Allez, va chercher. Dommage. Je vais t'apprendre le respect. Je me fais entoiler. Oh le bâtard! Ça va laisser une marque. Oh. Viens ici. Tu vas pas m'emmerder longtemps, Coco. Hein. Quand je vois plusieurs personnes qui courent vers moi, je me dis toujours que c'est pour me tuer. Et c'est souvent vrai. Tu peux m'attaquer? Tous les ouvriers affectés à ce chantier semblent avoir gagné gros à Atlantic City. C'est un moyen facile de blanchir de l'argent. C'est peut-être là que Fisk garde tout son liquide. Il faut mettre fin à tout ça. On va lui mettre la pression. Je m'occupe du mandat. J'ai déjà pris les devants. Fumez-le! Voilà. Appelez-le! Attends. Des nouvelles têtes! Ah, ça tombe bien! Je commençais à en avoir un peu marre des autres! Comment il a fait ça? Boss fait de voir mort! Vous répétez, les gars. Hein. C'est vraiment pas ton jour! Non, 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 non! Petit bâtard! Voilà.
masse d'ennemis. Ah, c'est bon, cet attachement inconditionnel qu'ont ces types envers Ouli. Au point de venir quémander des tatanes. C'est vraiment pas qu'on joue. Fais tes prières. Oh le bâtard! Ah, par là. Oh putain, il m'a eu. Bon, venez là, les cocos. Ah oui, je l'ai pas encore. Bon, on recule. Et merde, j'avais appuyé pourtant. Ah oui, celle-là, elle a piqué. Hein. Ok. Ok. Et voilà. Ouf. Salut Falloutman, comment vas-tu? Na. Merci pour ce joli petit na. Petite frimousse. J'espère que ça va, ça avance bien. Aucune résistance ici. Et Wilson Fisk continue. Bonjour Goras, comment vas-tu? Bien joué. Bon. C'est bien. Crevé? Comment ça se fait que t'es crevé, ma poule? C'est où? C'est pas là. Bah non, je vais pas la réessayer. Je suis satisfait de ce que j'ai fait. Hein. Ça me va. Hein. Je suis pas là pour faire non plus. Des trucs de foufou, hein. On parle de moi, hein. Oui, j'ai fait 3 cartons de cuisine, ceux où tu fous 3 trucs dedans et il n'y a déjà plus de place. Ah, je sais. C'est là où tu as du volume. Quel bonheur. Alors, attendez, parce que je ne vois pas ce qu'il essaye de photographier. Ah, ok. Pardon, barrez-vous. Magnifique. Campus de l'université de Morningside. Ok. Oh, par là. J'ai hâte de passer par Central Park. Je trouve que c'est très joli. Mal dormi entre eux. Attends, je te lis dans 2 secondes, dès que je prends de la hauteur. Mal dormi entre samedi et dimanche, merci les chats, le sport d'hier et le lever de ce matin. Ah. Là, j'ai du lourd pour vous. Nous sommes en ligne avec une dame dont le mari a été enlevé par Spider-Man. Enlevé ? Quoi ? Non, non, vous avez mal compris. Mon mari a été enlevé par des criminels qui l'ont enfermé dans le coffre d'une voiture. Spider-Man l'a trouvé et l'a fait sortir. Puis il a arrêté les criminels quand ils sont revenus. Veuillez excuser, madame, la compétence crasse de mon stagiaire qui m'a empêché d'entendre la deuxième partie. Mais vous vous rendez compte, bien sûr, qu'il est possible que Spider-Man ait organisé l'enlèvement pour pouvoir sauver votre mari et se couvrir de gloire. Ça paraît un peu idiot de se donner tant de mal alors qu'il pourrait simplement empêcher des crimes réels. Bon, de toute évidence, nous sommes dans une impasse. Eh bien, passez le bonjour à votre mari, madame, hein ? Jared, envoyez la pub ! Et puis, virez-vous vous-même ! Vous vous réengagerez ! Juste avant la reprise. Ce mec est juste taré, c'est génial. Si vous aviez un salaire, je le diviserais par deux. Ah, on a augmenté en concentration, ça c'est très bien. 10-31. On nous signale un cambriolage. Ah. Les individus pourraient être armés. Rendez-vous. Okay. Spanish Harlem. Terminé. J'arrive. J'ai mis un wok en fonte qui peut s'avérer létal si rien d'autre sous la map pour te défendre. Oui, je vois ce que c'est comme wok. Super le journaliste. Ouais, un peu crasseux quand même le journaliste. Hein, c'est un gros crasseux. Wouhou! Non! C'est le pape! Et soudainement, c'est la foire du crime! Allez, dans la gueule! Oh!
toi, lâchez ça. Ah, tu l'as repris. Oui, 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 bah, elle était méritée, hein, elle est méritée. Pas de soucis. Ne prends pas ton outil. Attendez, je me débarrasse des tireurs, je suis à vous dans deux minutes, c'est pas toi que je cherchais. Ouf! Vous doutez de votre chance? Ils sont choux quand même. Hein. Oh bien. Attendez. Tu viens? Alors, bouge pas toi. Ouf. Lâche ton arme. Et voilà. Problème réglé. Vous voyez le bon côté? Si je vous avais laissé entrer, votre peine serait beaucoup plus longue. Les combats de ce jeu me rappellent beaucoup ceux de Batman Arkham. Ouais, t'es pas le seul à m'avoir fait la réflexion. Ce jeu est un bon défouloir. Ouais, carrément. C'est l'homme dégénère. Super journaliste, ouais. La phrasing des combats me replonge un peu dans les Double Dragons et Hot Beat'em All de la vieille époque, putain. Tu sais que ça avait été mon préféré, Double Dragon. Hein. Je m'en souviens encore de celui sur Super NES. Qu'est-ce qu'il était cool. 10-10, possibilité de vente de stupéfiants. Oh non, j'ai autre chose. Hein. Là, je suis désolé. Yuri, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a beaucoup de monde, mais ça travaille pas des masses. En apparence, il cherche juste à rester discret. Je vais creuser la question. Allez, Fisk va nous faire la peau si on l'écrase pas. Non, t'es pas immortel. Oh, bâtard. Voilà ce qui arrive quand on joue. On recule pas. Oh putain, y'a un bazooka. On recule pas. J'espère même pas me faire la même chose. Oh bah non, je l'avais fait, l'esquive. C'est maintenant qu'on arrive. Mais ouf. Je vais devoir distribuer des billets de retard. Hihi. À moi. Oh bah non, j'ai esquivé trop tôt. Non, pas vraiment. Bâtard. Ouf. Voilà les renforts. Et pourquoi moi j'en ai pas des renforts? Ah oui, c'est vrai. Personne ne m'aime. Je sais pas que personne ne t'aime. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Spider-Man, d'après mes sources, des armes plutôt exotiques transitent par ce site. Exotique. Des lance-roquettes, on va dire ça. Fisk arrive à récupérer du matériel réservé à l'armée. Il faut tout faire pour que ces armes n'entrent pas en circulation. Bonjour du boss. Venez. Séchez-le. Ouf. Des renforts. Vous savez, il y a d'autres manières de soutenir vos camarades, en leur criant « Bon travail » par exemple. Bon. Oh oh. Attention. Mettez-lui une raclée. Bon. Un cadeau du vol. Ouf. Par là. On est d'accord. Oh bah non, j'avais appuyé. Oh. Putain, mais comment on fait B, Y? Mais j'y étais dessus. Ah bah lui, il s'est fait sauter. Ah, super, j'arrive après la guerre. Ah bah non, il est là. Où est-le?
Attaquez-le ! Oh merde ! Essayez même pas de me faire le coup à moi ! De la main-d'œuvre ! C'est touchant ! Vous tenez vraiment à rejoindre votre chef en prison ! J'ai un cadeau pour toi ! Mais ouf ! Il est où? Ouf, là je l'ai mangé. Petit bâtard. Ouf! Tiens, bouffe du plomb. Bah, bah non, écoute, mettons-nous d'accord, hein, à un moment donné. Et voilà. Dis-moi, mon Franck, tu aurais pas pété un câble vendredi soir? Pourquoi j'ai pété un câble? Les copains de Willy et toutes leurs armes vous attendent comme un tas de cadeaux au pied du sapin. Avec votre costume rouge, vous êtes pour moi ce qui ressemble le plus au Père Noël. Merci. Pourquoi? Dans The Forest? Pourquoi on a rigolé? Bah comme d'habitude. Pourquoi péter un câble, je comprends pas. Sur le jeu? Non, bah au contraire, non, non, bon, j'ai passé une excellente soirée. Hein. En curé? Ouais, avoue qu'elle était drôle. Elle était bonne, hein. Youp là, allez, on reprend. Une activité normale. Hop là, c'est parti. Sympa, Central Park. Ouh. Au secours, c'est bon. Par là. Encore. Encore. On se balance. Ok, c'est entre les immeubles que j'ai vus là-bas. Ok. Speeder urgence. Oui, enfin, j'étais un petit peu éclaté. Hein. Elle est bonne. Monument découvert, Manhattan Museum of Contemporary... zut, c'est de l'art. Faire coucou à mon fils. Faire coucou à ton fils? Non, j'ai autre chose à buller. Oh, assaut. Let's go. Oui. Bloqué parce que il y a des machins, d'accord. Vite monte. Mais monte, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai mis en truc rapide là. Dépêche. Ok, on n'y est pas, hein. Allez. Je peux pas les laisser s'en prendre à cette personne. Vous voulez vous battre? Vous avez de la chance. Oh putain, les gros, quelle purgeasse! Bonjour! Encore jamais vu Spider-Man d'aussi près! Bâtard! Bâtard. Oupsi. Regardez ça. Spider-Man est en forme. Qui sème la terreur, récolte une raclée. Merci. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Ça lui rappelle ses jeunes années. Merci. C'est vrai, il a fait le séminaire. On nous terlie. Hein. J'en peux plus de moi. Au secours. Vous avez jamais vu de près. Ah, tu m'avais pas vu de près. Je peux me balader à poil dans New York. Wouhou. Regarde, maman, je vole.
En tout cas, en termes de déplacement, je me démerde un peu mieux que lors du premier live. Hein. Oh non! Fontaine de Bethesda. D'accord. Alors, on a une agression par là. Allons-y. Des voleurs. Il faut que j'intervienne. Hé, hey, vous auriez pu m'attendre? Hé, hey, c'est l'homme araigné, sans blague. Attendez, mettons-nous tous d'accord. Ici, vous êtes trop nombreux. Venez par là. Chacun son tour. Ouf! Ouf, bâtard. Petit. Le fair play, ça n'existe pas. Voilà. Voilà. Next. Ah bah c'est bien, ils arrivent les uns après les autres, c'est très bien. Excellent choix. Oh. Oh. Lâche. Et voilà. Quoi, il y en a qui sont vivants là-dedans? Ah oui, là. Et voilà. Et c'est terminé pour les méchants. C'est l'homme araignée, c'est moche. Bon, bah ça s'est plutôt bien passé. Je voulais aller là-bas. C'est où? C'est par là. Et c'est reparti. Le nombre de criminels, c'est juste fou. Hein. Parfait. Alors. Oh putain, il y a de ces bâtiments, laisse tomber. Hein. Ouf. Musée Solomon R. Guggenheim. Ok. Prochain monument. Allez-vous par là. Saute. On se croyait dans les quartiers nord à Marseille. C'est un peu ça, ouais. Faut se méfier, moi, je dis. Ouf, elle est immense, cette tour. Comment tu veux que je la prenne en photo? Ouais, peut-être en face, ouais. Ça serait peut-être une solution. Voyons voir. Ouais, cet immeuble-là. On fera l'affaire. Voilà. Perfect. Alors. La tour des Avengers est trop cool. Mais ils s'en servent pas beaucoup. Je crois qu'ils sont sur la côte ouest en ce moment. Tu parles trop. Sûrement en vacances. À surfer. Et on y va. Et voilà. Voyons voir. Yuri, trouver un des chantiers de fisc. C'est une vraie fourmilière du crime. Essayez de faire du bruit. Si quelqu'un se plaint du tapage, je pourrais envoyer une patrouille. Du bruit? Eh merde. Ça, je peux le faire. Bah, j'ai pas le choix, hein. Voilà, prends. Voilà ce qui arrive. Oh le bâtard. Des renforts pour un
Un type en prison, Fisk a des hommes extrêmement loyaux. C'est fini. Hé les nouveaux! Sympa de passer à ma kermesse! Je vais faire circuler un chapeau! Non sérieux, hein, j'ai un loyer à payer! On peut encore l'avoir! Spider-Man, je viens de vérifier. On a identifié une multiplication des faux billets dans le quartier. De la fausse monnaie? Un art en perdition! Je vais lui donner le coup de grâce! Coiffure moche, trop de parfum! Ouais, encore des broutes de fisc! Voilà ce qui arrive quand on cherche le kingpin! Non! À ta place, je m'en ouf! Il est en train de lâcher! Ah non! C'est juste que je me suis mal accroché! Petit bâtard. On est trop nombreux pour lui. Ah bah non, c'est pas que vous êtes trop nombreux, c'est juste que je suis un peu flashé. Oh non, j'avais appuyé sur B. Oh putain, mais quel enfer. Allez. C'est pas vrai. Merde, 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 merde. Comment il peut nous battre ? Encore des renforts ? Non, pas aujourd'hui, les gars. J'ai un mot d'absence de Wooly. Promis juré. Ouais, on sautille, on sautille. Voilà. Maintenant, on y va. Ça va te péter ! Chopez-le ! À terre ! Bougez-vous ! Il faut qu'on l'arrête ! Oups. Oh le petit bâtard. À couvert. Attention. Allez. Fisk va nous faire la peau si on l'écrase pas. Ouf ça. Alors attendez. Voilà, c'est toi que je voulais. Sans rien faire, quand il est en l'air. Voilà. Tu veux pas tomber? Ouf. Ah non. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, bâtard. Viens. Putain, à chaque fois j'appuie trop tard ou trop tôt. Voilà. C'est vraiment pas ton jour. Qui me reste en vie là-dedans? Ah mais t'es là. Voilà. Mais saviez-vous, la toile d'araignée sort de son popotin. Le kiki de l'araignée est détachable et l'araignée produit du lait. Sa crépiteur nous en cache des choses sur sa tenue moulante. C'est moche. Le pont de Kingsborough. Ok. Oh. Il est beau. Hop. C'est pour ça que John a me payé une fortune. Il est magnifique. Hop. Ouh.
quantité à jeunes jouables, mais... Attends, je ne comprends pas. Oh, excusez-moi, je vous prie de croire que je suis confuse. On peut pas y aller à celle-là, deux zones. Attends. Permettez. On ne peut pas, d'accord. Bon, c'est pas grave, je vais y aller en nageant. Vous êtes pressé? Bon, je crois que je vais rejoindre le bord. Hein. Et pourtant, j'ai rien fait d'exceptionnel. Je suis allé jusque là. Je comprends pas trop le principe. Je suis allé trop loin, c'est ça? Je saisis pas trop le... Monte. Ouais, vas-y. Vous quittez la zone jouable? D'accord. Bon, je suppose que ça doit être frais pour plus tard. Ok. Pas de soucis. Je ne peux pas y aller pour le moment. Ça marche. Ok, je suis grillade. Donc, on a fait tout ce secteur. Ouais. On va faire ce secteur. Ouais. Ouf! Il peut se débloquer après. Bon, bah voilà. Parfait. Bon, je trouve ça un peu loufoque. Pourquoi me l'avoir affiché si ça se débloque que après? Bon. Bon, tu me diras, je suis pas pressé non plus, hein, mais bon. Hop là. Et c'est parti. C'est vraiment dynamique, je trouve ça vraiment fantastique comme jeu. Et hop là. Attends, on va plutôt passer comme ça. Allez. Concentration pleine, d'accord. Ah, par contre, j'aimerais savoir ce que je dois photographier. Perfect. Hop là. Ne bouge plus. Rédaction de Fact Channel. Ok. Ça, c'est good. Par là. On peut pas zoomer. Oh, c'est un peu de la merde. Joli. Union Square Park. Ok. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas zoomer. Ça, c'est un peu ballot. Mais bon. Et c'est parti. Hop là. Qu'est-ce que je vise? Non. Ok. L'Empire State University, ce bon vieux campus. Ah. Et là. D'accord, l'université. À cause de mon crédit étudiant. Oh, alors ça, je vais m'approcher par contre. Non mais n'ayez pas peur, c'est que moi. Hein. Bon. Alors, hop. On va essayer de monter par là, là. Superbe. Washington Square Park. Ok. Ou fake Chanel. Fake, à mon avis. Attendez. Prochain élément, par là. En tout cas, la nouvelle tenue est chouette aussi. Hein. Ouais. Et hop là. Un peu exagéré. Oh. Super fenêtre. Mais
J'ai toujours l'impression qu'il se passe des trucs. Étrange, oui, oui. Pas de soucis, on sait. Qu'est-ce que je prends? Ce côté-ci. Mais ça m'emmerde de pas avoir pris ça. Je comprends pas. Je trouve ça débile de pas me donner accès. Enfin, je suis désolé, hein, ça me désespère. Qu'est-ce qu'on a ici? Joyeux anniversaire. Oui, oui, on ira après. Tranche hein. Derrière. Et c'est reparti. Wow. Et houpla. Attends. C'est par là. Ok, perfect. Place de Confucius. J'aurais bien besoin de ses conseils en ce moment. Non, pas besoin. On va s'en sortir sans. Wilson Fisk est rancunier. Bah ça alors. Ok. Bon. Bah écoute, hein, ils te servent à quoi les jetons, Franck? Pour les améliorations de tenue, de gadgets et autres. Ah. Oui, bon, bah on va se mettre un peu plus loin. Bah saute, qu'est-ce que tu fais? Ouf, voilà, parfait. Le pont de Williamsburg. La voie qui mène là où j'ai pas les moyens de vivre. Ah mais attendez, je suis complètement con. En fait, la photo, j'ai qu'à la prendre de loin, c'est-à-dire ici. Oh là, je suis débile. Attendez, on y va. On va prendre 2 minutes. Et oui, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au monument. Oh, que je suis con. Je voulais le voir de plus près, mais bon. Ok. Hop là. Putain, la taille des tours à chaque fois, c'est impressionnant. Hein. Oh, ça va, pas besoin de klaxonner, je suis respectueux. Hop là. Attendez, hop. Allez, on continue. Allez, let's go. De prendre une photo de là déjà. Et je l'ai. Le raft. Quand une simple prison haute sécurité. Oui, oui, attends. Tu nous expliques après. L'été ne suffit plus. Parfait. Et voilà. Je suis débile, je voulais y aller. Je voulais voir à quoi ça ressemblait de plus près, mais bon. Hop là. Attends, vas-y, jette-toi.
Hop là. Le déplacement est vraiment... Enfin, c'est génial, quoi. Bien, les mecs ont fait un boulot. C'est tellement propre. La fête de mai va bientôt commencer. Oui, non, bah, elle va attendre. Hein. J'ai frôlé quand même un camion, hein. Ouf. Mud Street. Ok. Mud Street, l'axe principal de Chinatown. Touristique, mais sympa. Cool. C'est plutôt cool. On a un autre pont. Ah mais attends, est-ce que je peux le prendre en photo? Ah, au secours! Un peu trop prompte. De ouf. Voilà. Un pec. Le pont de Manhattan. Perfect. Pont de Brooklyn. Allez, super. Une pierre, deux coups. Et c'est parti. On voit hyper loin, c'est trop beau. Ah ouais, franchement. Et j'avais peur hein, qu'il rame sur ma bécane. Hein. Et regardez, il est fluide. Hein. Même pour vous, sur le stream, je regarde. Oh, je suis tellement satisfait d'avoir fait ces modifs. Ah, pour vous, c'est, pour moi, c'est vraiment un régal de que vous puissiez profiter comme ça, hein, du live. Hein. C'est pour ça que John a me payé une fortune. Non, à mon avis, on n'y est pas. Ah, si. Trop bien. Vomi. C'est parce que t'es trop contente. Ouais, je sais. Et hop. Ah, pas du bon côté. On va arranger ça. L'hôtel de ville. Et Zerbardi. Ah, attends. Attends, bouge pas. Est-ce qu'on peut... Non, c'est pas par là. Attends, on va essayer de se caler plutôt par là, je pense. Perfect. Oh. Ouf. Un chef-d'œuvre. Et ensuite, on a l'autre environnement. Oh. Oh oui, ça c'est joli. Dans le livre. Trinity Church. Bah, il y a une église sur Trinity. T'es enceinte, parle pas de malheur. Et puis c'est pas possible, je suis vierge. Elle est vierge de signe, hein, j'entends. Pouette, pouette. Écoute, tu peux remonter par là. Et hop là. Oh.
Magnifique. Battery Park. Tourisme, c'est fait. Non, poisson, rien à voir. Meilleur signatro, ça, que des gens sympas. Tu as peaufiné des réglages OBS, alors, mode admin. Je suis passé par le mode admin et j'ai un peu forcé la main à OBS. Mais j'avais peur d'avoir fait une connerie, c'est pour ça que j'avais prévenu ce matin que si je devais couper, voilà, pour refaire des configs, voilà. Mais je suis très content de moi. Regardez, c'est fluide comme tout. Ah, la satisfaction, quoi. Quelle tristesse pour eux. Ah bah écoute, pas forcément hein, si on y réfléchit. Yuri, ce chantier me semble aussi réglo que les vendeurs à la sauvette de Times Square. Je n'ai pas assez pour obtenir un mandat. Allez-y, mais je pourrais pas vous couvrir. Comme d'hab quoi. Oh, ils sont pas rigolos. Allez, venez. Oh. Ok. Il a un lance-roquette. Je négocie pas ça. D'accord, tu tires à bout portant. C'est logique. Bonjour. Vous êtes en retard. Vous en faites pas. J'ai encore plein de grosses mandales en réserve. Entourez-le. Oh bah non, c'était pas juste. Alors, vous venez ou pas? Un canon du boss. Devant cette t'inquiète. Bah oui. Ah bah oui, c'est vraiment pas bonjour. Ah, je ne peux pas lui retirer son bouclier. Voilà qui est dérangeant. Ça devrait se calmer. Wouhou! Come on.
Génial, il y en a d'autres. Les gars, Fisk est pas là. Vous avez le droit de sécher. Ok. Mettez-lui une raclée. Ne laissez pas vous jeter en l'air. Oh merde, j'avais pas vu. Oh le bâtard. Alors, ah oui, t'es au-dessus. Attends mec. Ok, bon on en est où? Non. Encore des renforts? J'accepte uniquement si vous vous pointez dans une voiture de clown. Bon, c'est pas mal. Ouf. Oh bah non. Petit bâtard. Et voilà. J'aime bien le bruit que ça fait, Spunk. Et voilà. Bon bah écrire gaffe en haut n'est pas une bonne idée vu que ça tire avant que j'ai terminé ma prose. Bah oui, il y a au moins 10 secondes de différence. Il y a un sac criminel déjà neutralisé et un stock de drogue de haute qualité qui n'attend que vous. Ah, il pleut que des bandits. Mais ils sont tous vivants hein. Tuyau anonyme. Il lui reste tous. Encore combien de chantiers à Fisk? Aucun. Il exploitait chacun d'eux au maximum pour générer des revenus. Il va avoir beaucoup plus de mal à faire marcher ses petites affaires. Dommage pour Fisk. Il est stylé hein. New York. Je suppose que tu t'amuses bien. Bah un tout petit peu monsieur. Tu vas rire. Je viens de visiter un de tes bâtiments. Et tu seras choqué d'apprendre que des criminels s'en donnaient à cœur joie à l'intérieur. Pour résumer, le chantier Fisk est fermé. J'ai d'autres sources de revenus. Mais tu m'as indisposé. Il y aura des conséquences. J'ai une bonne mémoire. Moi aussi j'ai une bonne mémoire hein. Je devrais proposer à tous ceux qui ont essayé de me tuer de se battre pour désigner un élu. Il est du gouvernement, Wilson. Le seul Wilson que je connais, c'est dans Grey's Anatomy. Non mais c'est vrai, je regarde avec ma femme. Aucun pouvoir de tenue associée, d'accord. Tenue classique, réparée, vous projette dans les airs et entoile les ennemis autour de vous. Biomembrane hybride générant de la concentration pendant un court instant, d'accord. Ouais, elle est pas mal celle-là, la tenue classique. Tenue Spider-Man noir, les ennemis en alerte n'appellent plus de renfort. Oh si. Tenue Scarlet Spider, technologie de réalité augmentée en générant des leurres holographiques étourdissant les ennemis. Bouf. Oh. Un blindage à polarisation magnétique. Ouais, de toute façon, je peux pas. Ah, c'est les jetons de recherche. Libère une charge énergétique électromagnétique étourdissant. Tenue de Stark. Ouais. Pour vous aider au combat, ça c'est pas mal. Sont bizarres, non, les tenues. Enfin, je suis un peu... Aucun pouvoir associé. D'accord. Aucun pouvoir associé. Ah oui, d'accord. Ça, après, c'est des skins. Ok. D'accord. Je suppose que ça doit être une vanne. Ok. Pourquoi pas, hein. Je veux dire, oui, pourquoi pas, hein. Voyons voir celles qui sont un peu plus intéressantes pour moi. Non, tu montes trop vite. Voilà. Donc on a celle-ci. Ouais, pourquoi pas la concentration, je préfère à la limite. L'autre, c'est vous projette dans les airs et entoie les ennemis autour de vous. Explosion de toile. Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Non, je vais garder celle-là. J'aimerais que tu améliores.
Seconde peau, pourquoi pas. On peut pas l'améliorer ce truc là? Oui, oui, non, mais je l'ai acheté, on est d'accord. Mise au point auto, réduit l'impact des grenades étourdissantes et aveuglantes. Non, ça, ça va encore. Attaque en toile, les attaques avec une toile génèrent plus de concentration. Ouais. D'accord, donc dans les gadgets peut-être. Ah voilà, les gadgets je peux. Lance-toile rapide, ouais. Puissante explosion de toile qui emprisonne instantanément l'ennemi. Ça c'est pas mal le toile choc, j'avoue, il est très très bien. Ouais, je peux pas les utiliser. Recharge plus rapidement le lance-toile. C'est vrai que ça serait pratique. Et celle-ci, c'est ajoute une utilisation à la réserve de ce gadget. J'avoue. La toile de choc projette les ennemis encore plus loin. Ah, j'ai pas besoin d'une projection, je veux plus d'utilisation en fait. Ouais, achat possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Ajoute des utilisations à la réserve du lance-toile, je prends. Recharge plus rapidement le lance-toile, j'avoue. Ajoute deux utilisations. Ok, on peut pas aller plus loin. Non, j'avoue, ça me... Une toile électrifiée qui étourdit les ennemis. Ouais, c'est pas mal, ça. Excusez-moi, j'étais en train de faire mes achats. Non, fisc... Que fisc, c'est du gouvernement. Oui, parce que c'est du fisc fucking. J'ai une bonne mémoire. Rappelle-moi juste l'adresse du bâtiment, s'il te plaît, pour être sûr, hein. Bah ça va et toi mon cher Reapers? Ah le skin Spider Cochon, même pas. Les 4 sacs fantastiques. Les 4 sacs plastiques. C'est pas mal la tenue classique, j'avoue. Hein. J'avoue. J'ai combien de points? Putain j'en ai 3. J'ai un petit peu abusé. Ouais par contre si je peux me débarrasser, saisie de fusil, de bouclier et lance-roquette. Allez ça, ça va me faciliter la vie. J'avoue. Ça c'est quoi? Maintenez Y pour lancer les armes volées sur vos ennemis. Ah, saisie et jetée. Ah, ça j'avoue. Ah merde, ça vaut 2. Oh, je me suis fait un accouillage. Bon, bah tant pis. Maintenez X dans les airs pour envoyer un puissant coup de pied latéral à vos ennemis. Ça, ça peut être pas mal lancé en vrai. Coup parfait à pied. Ouais, non, le coup parfait, je m'en... Ouais, non, je vais garder mon point. Je vais garder. Oh merde, je voulais le saisir et jeter. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que nous avons encore qui traîne push? Je crois que nous avons tout fait, n'est-ce pas? Oui, parfait. Moi, pas terrible, j'ai trop mal au ganglion depuis 3 jours et j'arrive pas à avoir un rendez-vous chez le médecin. Oh merde. T'es passé peut-être... Peut-être passer par SOS médecin si c'est vraiment handicapant. Tu vois ce que je veux dire, Reapers? Tiens, je te la prends et je te la rends. Mais ça, sans munitions et sans percuteur, c'est ça. C'est dans l'idée. Wouhou! Il y a les urgences aussi. Oh bah les urgences, j'en ai fait un paquet là. Hein. Oh, lutte contre le crime, j'y vais à chaque fois. Hein. Dès qu'il y a un crime, je suis dessus. Oh, magnifique. Ça ira plus vite. Oui, bah c'est pour ça que je disais SOS médecin, hein, à tout hasard. Après, est-ce que tu as pas la médecine de garde à l'hôpital? Pas si tu es à proximité d'un hôpital. Je vais voir ça en début d'après-midi. Ah ouais, tu peux pas rester comme ça, ma poule. Hein. Tu peux pas rester comme ça. Oui, c'était pour Fallout. Ah d'accord, excuse-moi. C'est, je suis concentré sur ce que je fais. Hein. Ça m'arrive de faire beaucoup de conneries. Oui, très régulièrement de faire des conneries. Mais je reste concentré malgré tout. Voilà, un peu plus de hauteur.
Mais voilà. Ouh. Des consultations, SOS médecin, urgence, mais même comme ça, pas évident. Car avec les systèmes de santé qui deviennent de pire en pire, après, il faut encore que tu aies des médocs à la pharmacie, plein de choses manquent. Ouais, c'est clair, je vais pas dire le contraire, mais un an d'attente pour un deuxième rendez-vous. Bah, disons que Reaper, c'est même pas la faute du corps médical, hein. C'est juste que, bon, numerus clausus, à un moment donné, c'est bien beau. Hein. Coucou, Patty. Bah, t'arrives au moment où je vais faire une pause de 5 minutes, les enfants. Alors, je vais me prendre un truc à manger, mais je vais continuer de streamer. On va dire au revoir à vos petits copains sur YouTube, parce qu'on n'est pas des bêtes, tout de même. Hein. Pour vous, les petits copains sur YouTube, bah, faudra attendre la suite, au prochain épisode, bien sûr.